Salut, c'est Bibi sur The Legend of Zelda Skyward Sword. Après avoir complété la grande caverne antique, il faut se rendre à la tour des champs pour en apprendre un nouveau, c'est-à-dire le courage de Nehru. Là, pas d'énigme du tout, il suffit de s'y rendre et d'aller dans la tour pour l'apprendre. Rendez-vous au désert de l'Anel pour une nouvelle épreuve, à savoir celle où il faut récupérer 15 larmes de pouvoir. En l'occurrence, ici, ce sont des larmes de Nehru. Et à l'issue de cette épreuve, c'est là que vous obtiendrez le grappin. A noter que dans ce genre d'épreuve, il faut en profiter pour récupérer des perles d'ombre. Il s'agit d'un ingrédient indispensable pour améliorer le bouclier sacré. Ha 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 ha
Voilà, maintenant on dispose du grappin, mais je vous conseille de vous attarder un peu plus dans cette zone, il y a en effet deux cubes de la déesse à récupérer. Le premier se situe au niveau de la boucle en haut à droite de la map.
Là, je me rends au point de sauvegarde juste avant la suite, c'est-à-dire la mer de sable de l'Anel. Et à partir de ce point de sauvegarde, je vais d'abord débloquer des raccourcis et ensuite aller au deuxième cube. Voilà, maintenant qu'on a récupéré les deux cubes de la déesse, on peut se diriger vers la mer de sable. Une fois arrivé dans la grotte, il faut parler au Goron parce que c'est lui qui va vous donner la petite clé pour accéder à la mer de sable. Au passage, n'hésitez pas à vous asseoir juste à côté de lui parce qu'on peut lui donner 10 rubis pour le soutenir dans ses recherches. Je sais pas du tout à quoi ça sert, mais bon, 10 rubis, ça vaut le coup de prendre le risque. Oh.
Bon, il y a aussi 2-3 bricoles à récupérer, des rubis dans des trucs à péter à coups de bombe, ainsi qu'un coffre. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à bientôt. Ciao.